Merci. Rebonsoir à tous et à toutes. Merci. J'espère que. Attends. Et rebonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous êtes toujours aussi bien. On se retrouve pour le deuxième match. Attends, je vais pas y arriver. Non, tu vas pas y arriver. Vas-y, refais. Entre les Navy et les Fnatic. Les Fnatic, hein, on le rappelle, qui viennent d'engager Denis suite à la démission de Pronax. Et du coup, eh bien, je serai toujours en compagnie de Phoenix. Phoenix, que tout le monde, bien entendu, veut voir au bûcher. Hein. Non, non, je suis pas d'accord. Pour l'instant, c'est toi qui veux le voir au bûcher. Y a pas de preuve. Du coup, on sera sur Dust 2 et on va assister, à mon avis, à un très très beau match. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Phoenix? Ah, ben moi, il y a mon chouchou, donc c'est bon. C'est-à-dire? Guardian. Oh, toi aussi. T'as ouais, mis ben tous les oui. Toulousains pour kiffer Guardian en ah, fait. Ah, mais enfin, il est ouais, trop bien, il est trop bien. Il joue super bien à la WAP, il est oh là génial. Là. C'est une manie avec vous, les Toulousains, de kiffer Ouais, Guardian et les Navis. écoute, Putain. écoute. Ah, vous avez tous mauvais goût. Non, je suis pas d'accord. Dites-moi, dites-moi. Ça doit être pour ça, ouais. Il doit avoir un petit Exactement. penchant pour les bûcherons. Pour les Voilà, bûcherons. les hommes des Pour les cavernes. quoi? Ah d'accord, Les hommes des ok. cavernes. Merci. C'est pas mal, effectivement. Effectivement, pourquoi pas. Du coup, papa, qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Qu'est-ce que, à ton avis, petit score, enfin, un petit prono pour le vainqueur, ou même un score, ou... Vainqueur Navy, je pars sur un petit 16 à... je dirais 16 à 10. Ça risque d'être serré, mais les Navy peuvent gagner. Ah ouais, les mecs. Ouais, un petit match serré, 16 à 1, genre. Genre, ça va être serré, mais 16 à 1, quoi. Ben oui. 16-10, c'est pas un score serré, non. Oh, ça Moi, va, je dirais... ça... Ah, Moi, je on va. dirais un score serré, je dirais un... Toi, je dirais un 16-13. Ah, 16-13 pour les Navy. pourquoi pas? Bon, pour moi, 16-10, c'est serré. Après, voilà, chacun son avis, écoute, hein. Alors. Ah, Phoenix, c'est le commentateur. Enfin, le commentaire. Oui, Phoenix, c'est le commentateur. Oui, Avec une arrête. syllabe en moins. T'es commentateur, t'es pas commentateur, t'es juste commentaire, tu vois. Exactement. T'es le menteur, mais avec quelqu'un, tu vois. T'es le commentaire. Ah, c'est drôle. Bref. Merci. Sinon, les poneys. Pas le droit. T'as pas le droit. Navy, ouais, je les vois gagner. Surtout qu'il y a Guardian, donc je les vois gagner. On a perdu Droid. Droid. Non, Droid est en train Droid. de chercher quelque Droid. chose, mais Droid il l'a pas trouvé. D'accord. Oh, Droid il cherchait dans l'intelligence, il l'a pas trouvé. Oh, 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 ça oh, ça décide aurait... d'être clashé. Et Oh! encore, j'aurais pu en confirmation, j'aurais pu dire Droid il cherchait sa bite, mais il l'a pas trouvé. Oh, oh, ça Merci. Merci. parle super mal. Ça parle tellement mal. Aucun respect Oh ce soir. Ah non, j'ai pas de respect pour les bleus. C'est Ah, les petits merci. bleus qui arrivent. Ah non, mais les petits bleus qui arrivent. Alka, ça a été pareil. Hein. Alka, ça a été. On a parié sur un score, j'ai gagné. J'ai appelé le bleu pendant une semaine en live. Ok, je suis mal barré. Voilà. 16 à 10, m'en fous, je reste sur mon 16 à 10. PS, les commentateurs, un peu moins de blagues de gens, de merde de gens qui clean. Jamais! Jamais! Il y en aura toujours autant. Rest in peace, Surtout Phoenix. avec Merci, moi. Miss. Merci. RIP une pepperoni. Oh là là. Ah, mais tu la connais pas celle-là? Si. RIP une pepperoni? Si, si, malheureusement. C'est ça. Y'a que les vrais qui vont rester de toute façon. Exactement. Y'a que les trop vrais qui vont rester parce que les vrais c'est nos bestas. C'est Même Red il va se barrer de Ok. tout seul. Bon bah. Au revoir. Maintenant un peu seul là. Bon bah. J'éteindrai la lumière en sortant. C'est ça. Bon, allez. Moi, je dis Navy 16 à 10. Voilà. Toi, tu dis un 16-13. On va voir. Ouais, j'ai un petit 16-13. Moi, je fais confiance à Guardian. Tu vas Voilà, ok, voir. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait si y a 16-10? Qu'est-ce qu'on fait si y a 16-13? C'est ça ma Aucune question. idée. Je sais pas. Sors une idée. C'est toi qui as tout le temps des Si, idées. alors, s'il y a 16-13, je t'appelle. Je te rename pigeon pour le reste de la soirée parce que Phoenix est classe. Si c'est 16-13, je t'appelle pigeon pour le reste de la soirée. Ok. Et si c'est 16-10. Si c'est 16-10, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être marrant en échange? Ah bah oui. Papapam, si c'est 16-10. T'as Twitter? Ouais, j'ai Twitter. Photo de ton nombril sur Twitter, je sais pas. Si j'ai. Attends. Si y a 16-10.
Attends. Attends. Mais t'as du mal, hein. Ah, mais j'essaie de trouver un truc sympa, tu vois. Parce que j'avais une idée, parce que toi, voilà, je te rename pigeon parce que c'est absolument pas épique, contrairement à Phoenix. Je me disais, toi, tu me rename C3PO parce que c'est absolument pas épique non plus. Ok. Mais Pourquoi je pas? sais pas. Pourquoi pas? Je vais réfléchir sur le gun round, j'ai réfléchi sur le gun round, sur le knife round, pardon. Ok. Et du coup, c'est parti, on va aller stylader les veines comme tu t'amuses à dire au niveau de ce pit sur Dust 2. Et attention, c'est les fnatic qui commencent bien là avec deux kills de la part des Navy. Attention, on se retrouve en 3v2. Ça va être compliqué pour ces Navy. Attention, Flammy qui se retrouve et Droite qui s'était retrouvé tout seul. Et du coup, c'est les Fnatic qui gagnent ce cut round. Pardon, j'ai bugué. Et du coup, changement de side. Apparemment, les Fnatic qui se retrouvent en CT et les Navy qui se retrouvent en side T. T'es encore en train de chercher? Effectivement. Ouais, je suis encore en train de chercher. D'accord. Bah, on va partir sur Pigeon et ses 3 PO. Voilà. Ok. Voilà, donc si c'est. On rappelle, si c'est 16-13 pour le reste de la soirée, j'appelle Phoenix Pigeon. Hein, parce que c'est beaucoup moins épique. Et moi, si jamais c'est 16-10, et ben. Il m'appelle ses 3 PO. Alors que du coup, on est parti sur le premier gère de ce match avec Attack Knight sorti sur Edward accompagné d'un Kevlar. Trois Kevlar en tout seront sortis côté Navi, on a sorti une smoke et double flash. Côté Fnatic, eh bien, on a choisi de sortir 4 Kevlar, accompagné donc d'un Diffuse Kit et d'une HE dans les mains de Krims. Voilà, comme tu l'as dit, et la bombe qui est en train de se diriger, qui est au niveau de ce tunnel, les joueurs qui. 4 joueurs au niveau de ce mid, attention, c'est Olof qui prend le premier kill sur Edward, Zeus qui vient prendre le kill sur Denis, Olof qui fait le double kill, qui prend le kill sur Flymie, Olof qui se retrouve à 5 HP, et Guardian justement qui vient prendre ce kill sur Olof, 3v3, le side B qui est. Il y a 2 joueurs sur le side B, ils ont décidé d'aller au niveau de ce side B, il y a Zeus qui est tout seul, il a réussi à poke 2 joueurs, on a 2 joueurs qui sont mid HP. Autant pour moi, ils sont à 70 HP. Et la bombe qui est en train de se rediriger vers ce BPA. Attention, Flusha qui prend le kill sur Guardian. Flusha qui fait le double kill en prenant le kill sur Sazed. La bombe qui est au niveau de ce BPA. Et je pense que ça va se diriger sur 1-0 pour ces Fnatic. Voilà, Flusha qui vient prendre le dernier kill. Qui a fait 3 kills sur ce round. Il s'est fait plaisir. Et du coup, 1-0 pour ces Fnatic. Exactement, 0 pour les Fnatic qui vont envoyer du coup bah, les navis en force buy. Vu que la bombe n'a pas été plantée. Ah, quoique. Attends, je sais pas parce qu'on a Flemmy qui force, mais on a les autres qui ne forcent. Si, ça y est, ok, on va force. Côté Navy avec un scout sorti sur Guardian. 3 Tech 9 Tactical sortis dans les mains d'Edward. En face, on aura pris encore une fois 2 rifles et 3 PM, dont un P90, hein, le fameux P90 de nos amis belges. Et côté Navy, on s'en partir pour l'instant sur un contrôle map assez classique. Attention à Guardian qui va lâcher la ligne longue, on avait un adversaire, c'est Denis. Denis qui a choisi de ne pas agresser. Alors qu'on va pusher au niveau de ce mid, on va peut-être partir pour une agression short côté Navy. On a les 5 joueurs là qui sont en train de se diriger au niveau de cette short, comme tu l'as dit. On a Flamey qui est en première ligne. Attention à lui, il est avec un Tech 9, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et Guardian, est-ce qu'il va utiliser sa petite technique de boost? Non. D'habitude, il booste souvent sur Dust ou sur d'autres maps. Il n'a pas boosté cette fois-ci. Et attention, c'est enclenché au niveau de ce BPA. Attention, c'est Guardian qui prend la tête de Flusha. Flamey qui prend le kill sur Olof. Olof qui avait pris un kill sur Zeus. Flamey qui se retrouve à 1 HP, un tout petit HP. Mais ça peut faire encore mal. JW qui fait un kill à travers la smoke, comme ça, normal. Edward et Sazed qui prend un kill. Et Krims qui se retrouve tout seul avec cette MP7. Attention, Edward qui se retrouve tout seul. MP7 contre MP9. Le premier poke a été mis par Edward, 58 HP pour Chris, mais non, c'est Chris qui vient prendre la tête de Edward, du coup 2 à 0. Exactement, 2 à 0, c'est logique pour l'instant, même si c'est vraiment pas passé loin du tout côté Fnatic, on va pouvoir ramasser la M4 à 4. Repartir sur probablement une écho côté. Ouais, voilà, une écho côté Navy, avant de partir sur le premier round d'achat de ce match. Et du coup, non, on va partir maintenant sur un round d'achat. Choix surprenant côté Navy avec un scout qui va être sorti sur Sazed. Qui va même pas être droppé à Guardian. On va rester au Deagle sur Zeus. Et on a Guardian qui va déjà se retrouver à 3 HP. Donc voilà, ça c'est fait. Il va du coup eh bien, se faire dropper un Galil. Et apparemment, ils ont décidé de se diriger en longue pour aller au niveau de ce BPA.
Pourquoi pas? On a Sazed qui a été poc, qui se retrouve à 35 HP. Et Guardian qui se retrouve à 3 HP. Ça fait très très mal. Ça va être compliqué s'ils veulent passer au niveau de cette longue. Surtout qu'on a Flechat là. Il est bien placé pour prendre les kills. Et ça y est, c'est enclenché. Flechat qui a été flash. Attention, il vient d'être poc. On a Flamey qui se retrouve à 17 HP. Et Flechat à 48. On n'a qu'un seul joueur au niveau. On a un autre joueur, pardon, on a Denis qui est arrivé au niveau de ce BPA. On a deux joueurs en short. Attention, Zeus avec son Deagle justement au niveau de ce short. Il a été smoke, il va pas pouvoir passer au niveau de ce short. Et les joueurs qui sont bloqués au niveau de cette longue. Et je comprends absolument pas le choix des Navy sur ce round. Le force back était à mon avis une très très mauvaise idée. Et du coup ça va être en plus assez compliqué. Attention, on a quand même JW qui va se prendre un bon coup de scout, qui va se retrouver à 39 HP. Le problème c'est qu'il reste déjà 30 secondes au compteur, on va devoir déclencher avec deux joueurs très low HP, hein, Guardian 3 HP, Flamey 17. On va pouvoir entrer sur Sibon, mais devoir venir prendre premier kill sur Olaf Messi en HW qui va venir éventuellement sur Sade. Flechat sur Edward, Flechat, le double kill sur Guardian, JW qui va mettre le jump shot sur Zeus, il sera plus que Flamey. Flamey tout seul au niveau de cette longue. Avec 17 HP ça va être compliqué, il va tomber sous les balles de Denis. 3-0 pour les Fnatic. Et on a eu une déconnexion du côté de Olaf Meister. Ouais, Du coup, match en c'est pause. compliqué. C'est compliqué pour ces Navy. Ça commence mal. Je crois qu'on va tous les deux perdre notre pari en fait. Ouais, mais en fait, je comprends pas, ça aurait pu être un round facilement gagnable côté les armes qui avaient été choisies côté Fnatic. Et on a choisi de force buy côté Navy. Alors qu'on aurait pu repartir sur un très bon round d'achat dès ce round-ci, du coup là on offre un round supplémentaire. J'avoue que je suis un peu perplexe sur le choix. Ouais, je les voyais gagner ces Navy, mais apparemment ils sont pas chauds. On va voir ce qu'ils vont donner après. Hein. C'est que 3 rounds, là, ils peuvent largement remonter. Et après, les Fnatic qui ont une écho qui a une assez bonne. Non, l'écho elle est faible hein, du côté des Fnatic. Ah non, ils ont Bah ils acheté ont donc ouais, non. non, ils ont un Ouais, round poussin là. ils ont une bonne écho ouais, parce qu'ils ont acheté donc ça va être assez compliqué pour ces Navy. Exactement, alors qu'on attend toujours le retour de Hofmeister, du coup pensons à si vous avez des questions à poser dans le chat, allez-y, faites-vous plaisir, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le moment. Faut Bah pas écoute, l'oublier Mortel ce Seb, Stropol. c'est ça, Mortel Seb, c'est un bon choix, hein, Denis, parce que déjà, c'est pas les Fnatic qui ont viré qui ont viré Pronax, pardon, c'est Pronax qui a décidé lui-même de partir. Problème de santé, il a dit qu'il attendrait 2016 pour se renouveler un nouveau challenge, pour se retrouver, pardon, un nouveau challenge. Et je trouve que Denis c'est un très bon joueur. C'est pas le joueur dont j'étais le plus fan chez G2, mais c'est un très bon joueur quand même. Donc ouais, un choix assez intéressant. Ben pour l'instant, il fait du taf, hein. Il fait du 2-2, ça va. Au moins, il fait pas du négatif. C'est déjà bien. Ah, on a même Ouais. le coach qui s'est déconnecté. Alors, Ben, est-ce que ce serait pour passer en tant que joueur, sachant que c'est arrivé l'autre fois avec Happy et qui avait été remplacé par Next chez la Envy. Pour l'instant, c'est toi qui vas passer au bûcher, apparemment. Ah ouais? Je suis content. Ben oui, 70% Ah ouais. contre 30% pour moi. Eh, faut se réveiller les gens là, faut voter pour envoyer Phoenix au Ah bûcher. ben non. Enfin, vous voyez. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, hein, c'est un délire qu'on s'est tapé sur le match d'avant. Voilà. Et apparemment, si, Olof va être remplacé par le coach Vugo. Ouais, Olof qui va pas Et exactement, continuer. ouais. Effectivement, du coup, on va dropper un MP9 à Vugo, ou peut-être plus tard, hein, peut-être qu'il a des problèmes de co et que du coup il a fixé ça un peu comme Happy la dernière fois. Attention, parce que ça peut changer les choses. Hein. Ça peut changer la donne pour les Navis. Et si en général, on sait que dans ce cas-là, les coachs slash managers, en général, ils viennent surtout pour récolter l'argent et on voit qu'ils drop souvent les armes à leur mate, alors que là, ça va être un massacre au niveau Oh de cette longue. là Flechat qui va venir prendre un triple kill, Denis qui en prend deux. là Non, Denis qui en prend trois et Flechat qui en prend deux, pardon. là. Nice qui me dit des deux maps, c'était ou Terro.
C'est une map CT, des deux, c'est une map CT. Après, ça dépend de la technique, encore une fois, Des deux, c'est des une map types. très, des deux, c'est une map très, très, très équilibrée, Je hein, dirais surtout. 55, 55 CT et 45 T, je dirais. Ah, je dirais beaucoup moins, je dirais du 51-49 parce que Ah, carrément. quand tu... Bah ouais, parce que quand tu regardes, les terreaux peuvent être sur les lignes de décale avant les CT avec les bons spawns. On peut prendre la décale longue avant que le joueur CT arrive Marek. Et on peut prendre la décale longue avant que le CT arrive, hein, à partie Bunny. Alors que là, c'est le... Putain, c'est le festival des stuff ratés, hein. Il y a une Qu'est-ce qui se smoke ratée prend? en longue, il y a eu une hache ratée dans le tunnel. C'est un festival, et du coup, ça se transforme en 4v4 avec Denis qui a pris un kill sur deux avant de tomber sous les balles de Edward. On a JW qui est très avancé dans le sas au niveau de la longue. Attention, Edward, s'il rentre Vanilla, ça peut faire très très mal. Edward, hein, qui va se faire pré-shot par JW qui avait vu le bout de son canon. 4v3 à l'avantage joueur Fnatic. Et on a toujours Crime cependant qui se retrouve à 36 HP. Ouais, ça va être compliqué pour les Navy, il faut qu'ils trouvent une solution. Apparemment, ils vont se diriger au niveau de ce BPB. On a la bande qui est en train de se diriger. On a déjà Sazed qui est placé au niveau de ce tunnel. Et ouais, ça a décidé ça. On va voir quand est-ce qu'ils vont déclencher. Surtout qu'on a un joueur Fnatic là qui est placé au niveau de ce City Spawn, qui est prêt à rotate au niveau de ce BPB. Mais ça y est, c'est déclenché. Ils ont décidé d'aller au niveau de ce BPB. Le premier kill qui est fait par Vugo sur Sazed. Le deuxième kill par Krims. Guardian qui prend le kill. Guardian qui fait le double kill. Mais c'est JW qui vient prendre le dernier kill sur Guardian. Exactement, du coup, un round j'irai tranquillement par les Fnatic 5 à 0. On va pouvoir normalement repartir sur un round d'achat. Côté naïf, hein, ce sera un achat force buy, hein, mais encore une fois, je serais peut-être passé par la case éco. Quoique, sachant que prochain round, il y a le cycle éco loser qui rentre. Ouais, finalement, non, pourquoi pas. Pourquoi pas le force buy, en plus, il est plutôt honnête avec 2 AK, 2 Galil. On a un Deagle seulement, par contre, sur Guardian. Alors moi j'ai un joueur qui bug, il est en train de slider par terre au niveau du tunnel, c'est magnifique à voir. Ouais, ça fait souvent ça sur les GoTV, ce genre de bug avec un Ouais. joueur qui slide. C'est magnifique. Donc pour l'instant, aucun joueur n'est tombé des deux équipes. On a juste Edward qui a été poke, qui s'est retrouvé à 85 HP. Les Navy, là, il va falloir se réveiller. Hein. Guardian, je sais pas ce que tu fais. Non, Guardian, ça va, c'est le premier de son équipe. Ben, ils sont pas réveillés, les Navy, là. Exactement, alors que du coup on est toujours en 5v5, hein, on n'a pas perdu de joueur pour l'instant ni d'un côté ni de l'autre. On semble encore une fois vouloir partir pour une 3-2A. Et attention, hein, parce qu'on est bien placé côté Denis sur le site bombe. Flusha est juste en dessous, hein, au niveau de ce lower site avec son petit stuff. Et côté Navy, on attend. On attend, on temporise. Ah, il faut faire gaffe à Hugo, là, il est bien placé au niveau de ce pit pour cover cette double door. Attention, parce qu'il a été flash, donc il est au courant qu'il y a des joueurs qui arrivent. Il prend la première tête sur Sazed, il prend la deuxième tête sur Edward, et c'est Flamie qui vient prendre le kill le double kill d'ailleurs, Flamie. Guardian qui arrive à prendre le kill, le revenge sur Dennis. Just qui était tombé, attention Guardian qui a 24 HP, la bombe a été posée. Flamie qui est full HP. Les deux joueurs sont vraiment pas super bien placés pour ce BPA. Oh, Flamie, bat Flamie. Oh non, Flamie, le bat Flamie, c'est pas possible. Oh, il va réussir à prendre le kill quand même! Il a réussi à prendre la tête sur Crisp. Sur Crims. J'ai du mal Et avec son attention, pseudo. est-ce que JW va tenter? Est-ce que JW va tenter la cookie? Est-ce que JW va tenter la K-Style? Non, il va pas la tenter, il va décaler d'abord Flamie qui va rater aussi. Il va tenter le noscope, et ça, il est complètement enfermé, il va tomber sous les balles de Guardian. Du coup, c'est le Force by Fist qui passe, et en plus de Guardian qui ramasse un AWP. 5-1, les navires rentrent enfin au scoreboard. Et côté Fnatic, par contre, il faut repartir sur un round d'achat sans le moindre problème. Avec même Vugo hein, qui va se faire dropper une M4 A4 par JW qui va aussi pouvoir acheter un AWAP. Donc round de full achat à suivre côté Fnatic. Ah, et les Navy, full achat aussi du côté des Navy. Ils ont pu acheter grâce à ce round la bombe qui a été posée. Et attention, Guardian qui prend la première tête sur JW. La WAP est tombée du côté des Fnatic. Guardian montre enfin son skill avec cette AWAP. On veut le voir. Il nous fait des très très beaux moves d'habitude. J'espère qu'il va se réveiller. Pour l'instant, il a l'air de bien le montrer. Du coup, un joueur tombé du côté des Fnatic. Pour l'instant, les joueurs ils savent pas quoi encore faire. Les Navy, les joueurs, ils sont un peu séparés de partout. On a un joueur en short, c'est Zeus. Surtout qu'il n'y a qu'un joueur au niveau de ce BPA. Attention au niveau de cette double door, Edward qui est bien placé. Il sait qu'il y a un joueur. Il va faire attention. La bombe qui est en train d'arriver au niveau de ce BPA.
On a deux joueurs qui sont low HP, hein, côté Fnatic. 17 HP et 11 HP. Mais attention, Flechat qui fait le triple kill sur Sayz, Zeus et Guardian. Flyme et, Den et Flyme qui prend le kill sur Flechat, pardon. Et Denis qui prend le kill sur le Revenge directement. Attention, Edward, hein, il est tout seul. Et c'est Edward qui se fait avoir par Krims avec cette AWAP. 6 à 1. C'est dommage, les Navy étaient bien partis sur ce round. Exactement, et du coup 6 à 1, les Fnatic qui renvoient directement les Navy en écho, tout simplement parce que le cycle éco-loser eh bien, a disparu. Et côté Navy, c'est une très très mauvaise opération parce que du coup on va laisser les Fnatic s'envoler, on va laisser les Fnatic normalement peut-être même remporter le premier side. Alors qu'on va sortir un stop double AWAP côté Fnatic avec JW et Flusha à la baguette. Et on va partir sur un stop avec 4 joueurs pour qui s'apprêtent à agresser mid et long. On a 2 joueurs très avancés en long, hein, avec Hugo qui encore une fois va prendre place dans le pit. Et Flusha qui va venir prendre le premier kill sur Flamey au niveau de cette tank justement. Flusha le double kill sur Edward. Flusha qui pour l'instant fait du petit tir au pigeon. On a Krims qui va venir prendre le kill sur Sage et il ne restera donc plus que Guardian seul avec son Deagle. Guardian qui va réussir à rentrer mais qui va se faire arracher le crâne par Vugo. C'est parfaitement effectué, c'est un perfect côté Fnatic. Et Vugo qui est très très bon. Hein. Ah, c'est dommage, je les voyais gagner ces Navy. Mais attendez, c'est pas fini encore. D'ailleurs, Guardian, j'ai pas compris pourquoi il a pas sorti un Deagle pour ce round. Parce qu'il avait montré aussi qu'au Deagle il était très très bon. Ah, mais il avait un Deagle, montré. Il a juste pas le temps de s'en servir. Non, il était avec le Glock. Non, il avait un Deagle. Ah, autant pour moi, j'ai cru qu'il était juste au Glock. Ah, ouais, non, mais c'est pareil, qu'il ait eu le Glock, le Deagle ou un AWAP, il a pas le temps de s'en servir quoi qu'il arrive. Donc, dans tous les cas, il s'est fait un stand calmé en long, ça a été radical. Tout simplement. Ouais. Et du coup, on a Guardian, il voulait sortir un rifle, il a sorti un scout. Zeus qui vient de se faire poc, qui se retrouve à 62 HP. La bombe qui est encore au niveau de ce mid, ils savent pas encore comment se décider. Attention, Flamey qui arrive au niveau de ce tunnel, il avait un joueur, il prend la tête de Flusha, mais il a pas réussi à prendre la deuxième tête de Krims. Et du coup, on se retrouve en 4v4, avec un joueur au niveau de ce tunnel qui est en train de back au niveau de ce BPB. Non, il est en train de revenir. Une flash qui a été bien lancée, Saïd qui voit tout blanc. Et Denis exactement. Qui vient de se faire descendre par Edward. Krims qui prend le deuxième kill au niveau de ce tunnel sur Sazed. Et t'as pas mal de retard, hein. Darkmaster, Devilwalk, coach des Fnatic, ça fait longtemps qu'il l'est plus. Hein. Là, depuis, il joue chez les Winterfox, Devilwalk. Voilà, la bombe qui vient d'être posée du côté de ses Navy. Attention, c'est du 2v2. Edward et mid HP, ça va être compliqué pour lui. Mais non, il arrive à prendre le kill sur Vigo. Et JW qui se retrouve tout seul avec sa TAWAP. Il va le tenter. Il a récupéré une M4. Ils sont au courant qu'il est là, la flash qui est lancée. Il s'est flash tout seul, il a fail son... Dommage, il a fail sa flash. Et du coup, c'est Guardian qui vient prendre le dernier kill. 7 à 2 pour les Fnatic. Exactement, et du coup, eh ben, on va repartir sur un round à chaque côté. Côté Navi, attention, ça pourrait être une très très bonne opération. Si on met ce round côté Navi, on peut tout simplement eh bien, envoyer les Fnatic en écho et donc remonter à un 7-5. 7-4-7-5, donc ce sera vraiment une très très bonne opération d'envoyer les Fnatic en écho. Il faut absolument gagner ce round côté Navi. Ils peuvent le faire, hein. Là ils ont acheté, attention ça a été flash hein, au niveau de ce BPB. JW qui est bien placé avec son AWAP pour la vue sur le tunnel. La bombe qui est encore au niveau de ce mid. Les joueurs se sont séparés, ils n'ont pas encore décidé sur quel bomb site ils vont aller. Et on va voir ce qu'ils vont donner. Alors on nous demande pourquoi Olof joue pas. Il a eu un problème de connexion, Olof. Du coup, c'est le coach qui l'a remplacé. C'est Hugo qui joue à sa place. Exactement. On ne sait pas si c'est définitif ou temporaire dans le match. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Et du coup, eh bien, on est toujours en 5v5 pour l'instant avec Edouard qui se retrouve à 88 petits. Enfin, 88 petites. 88 gros HP. Hein, encore, ça va pour l'instant. Mais du coup, attention parce qu'il devient one-shotable par une M4A4. Donc... Ça par contre ça peut faire la différence tant qu'on a deux joueurs hein, qui vont rentrer au niveau de ce middle. Justement Edward et on a sur JW qui vient prendre le kill sur Guardian au niveau de ce BPB. Et Krims qui est en plein une crossfire, on a Flusha qui vient prendre le kill sur Edward. On a Zeus et Sayz par contre sur Flusha et sur JW, c'est une très très bonne opération. Zeus qui est complètement fermé au niveau de ce middle, il va venir tomber sous les balles de Krims et du coup c'est du 4v2, du 3v2 pardon même. Avec Sayz qui va rater un point shot à WAP. Cependant on va pouvoir planter à bon côté Navy, maintenant il faut absolument tenir ce type bon. Il faut absolument tenir, sinon ce round est essentiel pour la suite du match. Ils peuvent le placer. Attention, ça a l'air d'arriver au niveau de cette window. On a Sayz justement qui est bien placé, qui a la vue au niveau de cette window. Il est parti au niveau du tunnel. C'est dommage, mais il n'est pas au courant qu'il y a des joueurs qui arrivent. Flamey qui prend le premier kill sur Denis. Mais Krims qui vient prendre le revenge. Sayz qui prend le kill à la WAP du 1v1.
Attention, Vugo. Il a Vugo plus le qui temps, n'a. il a plus le temps. Ouais, il n'a pas. Pourtant, il a un kit. Il aurait pu le tenter. Non, c'était trop limite, il aurait une smoke où il aurait pu la tenter, mais là, sans stop, c'était impossible, il se serait fait un stand décal quoi qu'il arrive, il aurait pas pu lâcher la bombe, il aurait pu rien faire. Du coup, ça fait 7 à 2 pour les navires, on a Vugo qui va quand même réussir à récupérer une AK. Et du coup, est-ce qu'on va tenter le force buy côté navire? On a Hugo hein, qui va dropper son AK. Af le chat. 7 à 3, les Navy qui sont en train de remonter petit à petit, tout doucement. Et les Fnatic qui ont décidé de faire une petite écho. On a juste Flecha qui a récupéré l'AK que Vugo avait récupéré. Et du coup, on peut partir sur un 7 à 4, à moins qu'ils se prennent un écho fist. Et J'ai quand même attention, laissé c'est ma Zeus et partir. Guardian qui prennent le kill sur Flecha et JW. Et du coup, l'AK est tombé par terre. Du coup, on n'a plus que 3 pistoles en face. C'est Joyeux énorme. anniversaire, la carte est tombée par terre. Merci. Oh là Joyeux là, la jour, Fuckboy. Pokémon de Edward sur Eh, Denis. 3 points pour Kobe Bryant. Hein, Edward Exactement. qui nous fait une Kobe Bryant. LeBron James serait fier de lui. Mais du coup, on va pouvoir repartir sur un round à chaque côté, Fnatic. Est-ce que du coup, tu crimes, on va choisir de sortir, prendre le risque de sortir un Nawab Glass Cannon pour dropper à HW? Non, on va repartir en full rifle et du coup, bah, côté Navi, on pourrait avoir un avantage. Parce qu'on le sait, sur D2, ce qui compte absolument, c'est les AWAP et comment on les gère. Et l'AWAP, c'est vraiment toujours le point fort sur D2. Alors que du coup, bah justement, voilà, l'AWAP va prendre le premier kill, c'est Guardian qui va prendre un tri kill sur Flusha, c'est déjà du 5v4 à l'avantage sur Navy. Et c'est Saïda qui va prendre la tête à travers sur JW. 3v5. Attention, puisque Saïda a 23 HP et Guardian a 69. Ils peuvent encore faire des kills, mais 23 HP ça peut faire mal. Flamey qui a été poke par cette petite grenade qui se retrouve à 80 gros HP. Moi aussi je me trompe. Et du coup, la bombe qui était au niveau de ce short, mais ils savent pas quoi faire là. Ils savent pas s'ils vont au niveau de ce BPA ou au niveau de ce BPB. Guardian qui prend le kill sur Vego avec cette AWAP. Et attention, c'est déclenché au niveau de ce BPA. Et c'est Guardian qui prend le kill sur Krims. Et Zeus qui vient faire le dernier kill sur Denis pour le revenge sur Flamey. 7 à 5. Exactement 7 à 5, on va repasser par la case écho côté Fnatic, on s'est fait complètement briser son cycle écho. Et là par contre c'est une très très bonne opération pour les Navy qui peuvent largement remonter. Et du coup ben le 16 à 10 qui s'envole un peu, par contre le 16-13 eh ben est de plus en plus Non, d'actualité. non, Hein. non, 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 16 à 10. Je suis pas d'accord. On verra Ah, de toute façon. ça voudrait dire que les Fnatic ne mettraient que 3 rondes. En Ils terreau. mettraient. Voilà. Oui, bah oui. Ça me paraît quand même, alors qu'on a Edward qui va venir prendre le premier kill sur Vugo, justement ça fait du 5v4, 5v3 maintenant avec Edward qui va venir prendre le second kill sur Flusha. Et du coup ça s'enchaîne tranquillement avec un Crimson qui va se trouver à 34 petits HP. De l'autre côté on a 16 des Edward à 38, à 37 et 58 pardon. Crimson au niveau de cette double d'or qui va être complètement deny, il va se trouver à 24 petits HP, il a été vu cependant. Et voilà, Flemmi qui va lui mettre le décal au meilleur des moments. Il ne restera donc plus que Denis et JW. Qui va bah, de toute façon vont save les deagles et vont essayer de prendre des guild kills sur ceux qui vont venir les chercher. Mais côté Navy, c'est même pas une. Finalement, c'est même pas une nécessité d'aller les chercher. Ouais, la Parce bombe a été que. posée. La bombe a été posée, surtout on a pas une économie qui est encore incroyable. Elle commence à être très bonne, mais elle est pas encore incroyable. Perdre des armes, ça n'a pas forcément une bonne chose, mais de toute façon, on va aller les chase sans perdre d'armes. Flamie qui va venir conclure tranquillement après que Guardian ait pris un bon kill. Du coup 7 à 6 et Navi qui revient à égalité. On va repartir sur un round d'achat côté Fnatic. Avec un AWAP. Avec peut-être deux AWAP. Avec deux AWAP. Voilà, c'est un double AWAP sorti côté Fnatic. Alors oui, Denis remplace Pronax, puisque Pronax n'est plus chez Fnatic, il est parti à cause de problèmes de santé, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, il risque de revenir en 2016, tu m'as dit, tu avais C'est dit. ça, il avait annoncé qu'il cherchera un nouveau challenge à partir de 2016. Mais du coup, ça pourrait être D'accord. intéressant parce que du coup, il y a plein de joueurs qui sont libres et ça pourrait faire une très très bonne équipe. Hein. On pourrait voir une très très bonne équipe popée en 2016 avec notamment pourquoi pas du Simple, du Pronax et du Mou, du Dozia, etc. Tous ces joueurs qui sont actuellement sans team. On pourrait voir une jolie équipe popée en 2016 à mon avis si ça se fait. Ben 2016, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont remonter, comme les LG ou des choses comme ça, les G2 même.
puisque les Fnatic sont en train de descendre beaucoup au niveau du classement. On a des petites équipes entre guillemets qui sont en train de monter rapidement. On va voir de nouvelles équipes arriver, comme tu l'as dit, rapidement là, dans Ouais, ces mais ESL et tout ça. on pourrait même voir peut-être une nouvelle structure poupée, hein, je pense à mon avis côté 2016, on devrait pouvoir ouais, avoir une nouvelle structure qui va popper. Parce qu'on a, je te dis, il y a au moins 5 joueurs déjà de libre, 5 très bons joueurs de libre. Donc ça pourrait être très très intéressant. Hein. Vraiment absolument à surveiller ça, les rosters de 2016. Alors que du coup on va agresser aussi bon bas avec Warden qui vient prendre mon premier kill pardon. Le chat de Nice. Va tomber sous le bal de Flemmy. Flemmy va venir prendre le double qui survit. Gona JW qui va quand même réussir à calmer Guardian. Mais Zeus qui va venir quand même calmer Krim. Et il ne restera plus que JW. JW qui va se retrouver tout seul. En 1v4. Il est bloqué au niveau de ce middle. Il va Attention, ça être. arrive. Et oui, il arrive à prendre le kill sur Zeus au niveau de ce city spawn. Ils sont tous au courant hein, qu'il est là. Il prend le deuxième kill sur Sayz. Attention, il peut faire très très mal JW. Pardon, il a fait 3 kills. Il va prendre le troisième kill. Mais non, c'est Edward qui va prendre la tête dans son dos. Il lui a mis un petit coup dans la nuque là. Une petite nuquette. Il est tombé du coup 7 à 7. Exactement, du coup on va repartir sur un round de force buy pour le dernier round de side côté Fnatic et côté Navy. Eh bien pour le début on va partir sur 5 AWAP. On va essayer de toucher à travers la door. Et malgré les 5 AWAP ça n'a rien touché, du coup on va garder 3 AWAP. 2 AWAP, voilà. On va garder 2 AWAP côté Navy. Edward n'a pas montré ce qu'il faisait avec cette AWAP. Attention, JW qui vient plus push au niveau de ce top mid là. Il vient faire mal avec cette P de 90, pardon. Mais c'est Guardian qui vient prendre le kill juste après sur JW. Du coup, 4v4, la bombe est encore au niveau de ce, ouais, au niveau de ce T-spawn. Ils n'ont pas décidé de la prendre, ils savent pas quoi faire encore. Exactement, alors que du coup on a quand même 3 rifles hein, côté Fnatic. Ça y est, on va récupérer la bombe forcément côté Edward. Et on a Sage qui va venir prendre un kill sur Vugo, on a Sage qui va venir prendre le double kill sur Flusha. Et je sais même pas si on aura besoin de la bombe finalement côté Navy parce qu'on se trouvait déjà en 4v2 avec deux joueurs bloqués au niveau du City Spawn. Guardian qui va leg son adversaire qui va venir le faire tomber. Attention, il sait pas qu'il y a Krims dans le dos, Krims qui est dans son dos. Et Krims qui va tomber, voilà, on aura même pas eu besoin de la bombe finalement. 8 à 7, les Navy qui remportent le premier side et pourtant c'était pas gagné. Ils étaient vraiment mal partis là, je suis content, ils sont remontés 8 à 7. Et tu vois, le 16-10, on peut le voir venir. Hein. On peut le voir venir. On verra, on verra. Du coup, ah ben non, on est encore à l'échauffement, tant pour moi. J'ai l'impression que tu Mais... t'endors, Druid. Non, non, c'est juste que pendant le warm-up, je suis en train de profiter pour regarder ce qu'ils disaient un peu dans le chat, etc. Et ouais, les Navy qui font un comeback, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez bet dans le chat ou ce que vous avez vos pronos même. Moi, ma prono sera du 16-10 et pour Droid, ça sera du 16-13. Ah, c'est en faveur des Navy pour nous deux, dans tous les cas. Exactement. Allez, Navy hein, qui avait fait vraiment un très très mauvais début de partie, hein, on se rappelle du 7 à 2. Et par contre, on a assisté à un comeback après d'un coup, un réveil monumental des Navy. Et les Fnatic ont complètement coulé. Et on peut même pas dire que c'est la faute de Vugo parce qu'au final, évidemment, pendant le warm-up, hein, les scoreboards sont initialisés parce que sinon c'est pas drôle. Mais Vugo qui fait mine de rien un score correct, hein, on le voit souvent prendre des kills, etc. Donc, non, c'est vraiment que les Fnatic ont complètement coulé. Donc, il y en a qui ont bet 10 € Fnatic, bet Navy 29 $. Il y en a qui disent 16-12 pour Navy, 16-9 pour Navy. Pourquoi pas? Mais c'est encore plus serré. Ça va être dur. Ça fait deux rounds demi juste par les Fnatic jusqu'à la fin. Même moi, je sens que mon prono ne va pas passer. Et il y en a qui ont bet Navy 22 €, 16-14 pour les Navy. Et 16-10 pour Navi. Ah, il y en a, je suis content, ils ont dit 16-10 comme moi. Voilà, tu vois. Tu vois, il y en a, ils sont pour moi. Ouais, bah vous écoutez, vous avez pas beaucoup d'espoir pour les Fnatic, hein. Vous dites en gros 3 rounds en tout, déjà de rien que si prennent GR les Navi, les Fnatic, pardon, ton prono est fini. Hein. Si GR est pris par Fnatic, ton prono est mort. Ouais, je pense.
Caster stupide, mais Caster qui a le banhammer. Ciao. Voilà. Ça y est, la rage de droïde. Ah, j'adore. Non, mais il y a un moment, faut du respect. On veut bien rigoler, etc. Mais il y a un moment, faut du respect, c'est tout. Merci. Impose-toi! Il y en a qui ont mis 22€ Navy, 16-12 pour les pronos. Ouais, des pronos finalement assez, assez équilibrés. Hein. Ah ouais, il y en a qui pensent Fnatic. Enfin, qui pensent carrément Navy. 1612 pour Fnatic. Là, ils vont mettre beaucoup de rounds les Fnatic là. 1612, ah ouais, ça fait... ouais, ça fait beaucoup. Alors, Marc, tu me diras là, pendant le warm-up, tu regardes le scoreboard et techniquement il reste. Manche restante, oh! Ouais, attends. J'ai jamais vu ça. 10, non. 1, 10, 100, 9 millions. 1000. Non, 10 000, 100 000. Si c'est 1 million, ouais. Il 9 reste millions. 9 999 996 manches. Donc c'est possible. 1600 okay. Pour Navy. Évidemment, mais le 1600 ça fait pas beaucoup. Mais ça fait pas beaucoup du coup. Par contre, c'est vrai que tu trolls les Volkenstres. Allez! Les Navy, ils sont chauds, ils peuvent le faire. Ça finit quand le warm-up? Ben, on sait pas. On attend le ready des À mon avis, je pense que c'est comme pour l'Envy la dernière fois. On attend un maximum, voir si, si Olof peut pas revenir. On essaie de gagner un peu de temps, à mon avis, côté Fnatic. Après, ça va décaler les autres matchs. Attention, hein, on se fait engueuler là. Oh, on devrait être juste, mais on devrait être dans les temps si s'il n'y a pas d'overtime, etc. Flamy, il en profite tranquillement pour monter le stat track de son AWAP. Hein. Il en est à 6, 7. Bah non, faut pas le facile, on continue de faire des. Oula, par contre, touche que dalle, Flamy. Ah, voilà. Ah, là, il a eu du mal. Hein. Il a eu du mal. Ouais, il touchait que dalle là. Vous pouvez commenter la warm-up. Ouais, ah, je l'ai fait une fois, je l'ai fait, mais c'était en plus sur les warm-up où les joueurs repop instant avant le match. Ah, je peux dire que. Ouais, tu t'es un chien. Ouais. Ah, bah t'as plus de voix parce que ça enchaîne, mais une vitesse assez monumentale et t'es là, t'es blablabla. Et à la fin t'es. Ah, ah. Alors, Phoenix, je parie pour qui Dignitas VP? C'est un match serré parce que les VP ils sont trop à fond à ce moment. Et surtout, rappelez-vous que Dignitas vient de changer deux joueurs dans leur line-up aujourd'hui, donc ça peut peser aussi. Ouais. Donc il faut faire attention. Mais sinon je dirais VP. Je dirais 60% pour VP. Mais c'est compliqué. C'est un match, je te conseille de le skip. Ce genre de match. Non, j'ai jamais eu la chance de commenter un match de bot, un tournoi de bot, mais ça doit être très très drôle. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde des bots qui existe. Non. Si si, il y a une Coupe du Monde des bots avec des casters et tout. Si si, c'est ah, génial, ça doit être tellement marrant à caster. Ah, c'est effectivement c'est assez drôle. J'ai regardé un match. Mais casser, non, mais regardez, c'est très grave. Mais tu dois pouvoir trouver ça sur internet, les vidéos des Coupes du Monde des bots, etc. Ouais, il doit y être. Il doit y avoir la démo aussi. C'est possible. Ouais, mais si c'est en vidéo, c'est mieux parce que du coup, t'auras les commentaires, enfin les casses. Ouais. Non, la démo, le fichier CS. Ah oui. Oui, c'est ça la démo. Petit fichier que tu télécharges. Je sais, mais il n'y a pas les castes dans ce cas-là. Ah, non, mais non. C'est ça que je te dis. Tu pourras pas avoir les castes. Le nom des équipes sur tous les matchs de Dignitas. Le nom des équipes officielles, mais avec des joueurs qui sont des bots. Ouais, ça doit être. Eh, franchement, ça doit être tellement marrant à voir. Parce que tu dois avoir des moves, mais complètement cheatés avec des bots. Oui, c'est très très drôle avec du full rush mid ou des conneries comme ça. Genre t'as deux équipes qui full rush mid, tu comprends pas trop. Ouais, parce qu'en général les bots ils sont influencés par les autres joueurs, mais si tous les bots vont mid... D'ailleurs Val, plutôt que de changer les bruits des pieds, il ferait bien aussi, si c'est possible, de changer le fait que les bots ils réagissent directement quand tu leur dis de rester ou autre, parce que... Quand tu dis à un bot keep the position et que le mec il te regarde et il te fait nope, c'est trop ça. Vraiment, tu te fais victimiser par des bots. Ouais, le pire c'est des fois il te le dit quoi, vraiment. Le mec il te regarde, il dit négatif. Va te faire le bot. Exactement. Bon, apparemment Olof n'est pas décidé à revenir.
Et les joueurs sont pas décidés à recommencer. Exactement. Et on demande EVP. Ah, on a perdu Droid. Non, je te dis, il doit, on t'a posé une question. Ah, c'était quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qu'on m'a On t'a demandé pour VP Fnatic. VP Fnatic, là par contre, je mettrais VP. Parce que Fnatic, ils sont un peu instables en ce moment. Au pire, attends la fin de ce match, voir ce qu'ils donnent. Et s'ils font un bon match, s'ils gagnent ce match, ouais, mais ça, c'est des genres de matchs à skip, quoi. C'est trop balance. Ça dépend s'ils jouent bien, ça dépend s'ils sont pas chauds, c'est... Voilà. Et pour l'instant, je suis content, je suis bien à 31% pour le Stropole. Et ouais. Bien sale le bruit quand tu marches. Ouais, ouais, c'est la nouvelle mise à jour. C'est dégueulasse. Moi aussi, je trouve ça dégueulasse. Je sais pas si tu as vu la vidéo, elle a tourné sur Facebook. Je crois qu'elle y était aussi sur Steam. T'as un mec qui commence à marcher. Il fait, c'est quoi ce bruit? Et il commence à faire un montage avec un bruit de cheval, tu sais. J'étais mort de rire quand je l'ai vu cette vidéo. Alors, je viens d'arriver. Vous avez parlé des odds de Fnatic versus Dignitas. Non, on les a pas. On n'en a pas encore parlé. Je les ai pas vus d'ailleurs. Lesquels t'as dit? VP Dignitas? Non, Fnatic Dignitas. Ouais. Actuellement, Fnatic Dignitas, c'est du 21 pour Fnatic, 79 pour Dignitas. Avec deux équipes qui ont un roster qui change, je sais pas, ça me paraît très... Oh. Mais c'est quoi ces odds, quoi? Navy est à 45%, Fnatic 55%. Dignitas 26, VP 74%. Ouais, non, essaye pas VP 74%, parce que c'est, tu vas rien gagner et tu risques de perdre. Donc, vaut mieux pas essayer ce match. C'est un conseil. Par contre, Penta Navy, 14%. Moi, je mettrais un petit truc sur Penta. Parce que Penta a très très bien joué le BO2 contre les Navy hier. Attends, oui, c'était bien les Navy qui a joué Penta hier. J'étais malade. J'ai rien suivi, c'est fou hier. Ouais, c'est ça, c'est bien. Penta Navy, il y a eu 1 à 1 au BO2. Donc je mettrai un petit truc sur Penta à ta place. Et si tu gagnes, ça fera 10% de ton résultat pour moi. Voilà. Le gros rapiace, quoi. Pire. Alors, il y en a qui sont en train de s'enjailler sur Stropole. Il y en a un qui mange des popcorn en regardant le Stropole, pourquoi pas. Le Stropole qui monte. Eh, tu. Ouais, tu me rassures pas tant que ça, va falloir me remettre un coup de Stropole là. Ah, bah attends, vas-y. Je vais le faire, t'inquiète. Et n'oubliez pas, votez bien pour Phoenix. Hein. Non, votez pour Droid Tokay, s'il vous plaît. Tous ceux qui votent pour Phoenix, la prochaine fois. Sur mon Twitter, je ferai un petit giveaway pour tous ceux qui auront voté pour Phoenix. C'est ce que je voulais faire. Tous ceux qui votent pour Droid Tokay, je leur offre un sticker clan mystique. Bam. Je leur offre un AO pas d'immob. Ok. T'es mal barré. Je sais que tu le feras jamais en plus. Par contre, je veux bien que tu m'en drop un d'AO pas d'immob. Ah, on a perdu. Olof apparemment va revenir. Puisque Olof est en tant que coach, pourquoi pas. Il va venir en tant que... Vugo. On a Vugo qui s'est déconnecté. Ouais, moi aussi j'en ai un autre de sticker pas mystique. Il est tellement beau. Comment tu fais pour savoir qui veut pour toi? Mais on a le Stropole juste en face, c'est pour ça.
Ah non, mais on saura pas qui vote pour nous, mais Ah après, non, ça on peut c'est. pas Ça, savoir. c'est... Ça, moi je le saurais, t'inquiète pas, parce que moi je sais tout, tu vois. Allez. Putain, il y a On des gens veut un qui continuent de Dragon voter pour moi, Lord. c'est traître. On veut un Dragon Lord, sinon on vote pas pour toi. Eh ben écoutez, faut déjà que Phoenix y repasse devant. Et au moment où Phoenix repasse devant, là on continue, on commence à en discuter sérieusement. Non, non, Et non, pour non, c'est ça. pas vrai. Vous croyez vraiment qu'il va vous payer un Dragon Lord? Et ça y est, apparemment, ça va reprendre. On a Olof qui est connecté. Et Vigo qui s'est remis en tant que coach. Alors, ça repart quand? On sait pas. On attend le ready de la part des joueurs. Même nous, on sait pas quand est-ce que ça repart. Bon, j'attends mon sticker. J'aurais pas dû dire ça. Je suis pas riche, les gens, désolé. 1 700 $ à titre indicatif, le Dragon Lore. Ouais, mais moi je le préfère en StatTrak. Ah non, je te l'offre en souvenir, en factoring de souvenirs directement, moi, 14 000 Allez. dollars. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune différence avec le souvenir et le Dragon Lore normal. C'est Le la même prix. chose. Oui, voilà. Ça sert à Et rien. en StatTrak, il n'existe pas. Il n'y est pas en StatTrak? De quoi, le souvenir? Non, mais même, le Dragonor, il n'y est pas en StatTrak. Ah bon? Non. Ok! Ah ben pardon, c'est oui, le match est reparti. Non, oui. Et du coup, ça a décidé Ouais, de ça y est, faire ça un repart. fast B. Ça a décidé de faire un fast B du côté des Fnatic. On a Krims qui a pris le premier kill. Et Edward qui vient de prendre le revenge directement. La bombe a été plantée au niveau de ce BPB. Attention, ça arrive au niveau de ce mid. Denis qui fait le double kill sur Sage et Zeus. Edward qui vient prendre le kill sur Olof. C'est du 3v2, ça va être compliqué pour eux. Denis qui prend le kill sur Edward. Guardian qui est tout seul qui prend le kill sur Denis. Guardian qui est bien placé là au niveau de ce BPB. Il peut faire une ninja defuse, mais je pense que ça passera pas. Il prend le kill sur Flusha. Attention, 12 HP, c'est compliqué. Oh! Et c'est JW qui vient prendre le dernier kill, 8 à 8. Exactement, c'est pas passé loin du tout, hein, 8 à 8. Donc là, ton pronostic qui est gentiment en train de s'envoler. Simplement parce qu'on va pouvoir repartir directement sur un round à chaque côté Fnatic. Et on va pas rigoler. Une minute, on va sortir directement une AK, on va sortir un P90. On va sortir directement beaucoup de rifles. Hein. Beaucoup de rifles sortis. On a juste Olofmeister au P90 et JW MAC-10. Ça se fait mon tour côté Navy, bien on a été obligé de force buy encore une fois. Trois objets de pistoles, un swag 7 sur Edward et un scout dans les mains de Le Guardian. swag 7. J'aime bien ce nom, le swag 7. Et d'ailleurs, Edward, où est-ce qu'il va se placer? Edward, il va se placer en longue, ce qui est assez surprenant. Une Et rapide il va peut-être se B. mettre en jump shot, hein, un jump Une shot phase B short. plus vue depuis 1990. C'est vrai qu'on voit pas ça souvent dans les équipes pro des phases B comme ça. Après, Ouais, c'est pour le gun surtout sur le round, GR. donc oui, sur Bah, GR, mais ça en en fait, fait parce que souvent. et surtout que sur le GR, c'est rare parce que c'est vraiment suicidaire. Hein, parce qu'à l'USP, tu peux tellement aligner les têtes dans le tunnel. Ouais. Ah, Guardian qui avait un joueur, il a pas pu tirer, c'est dommage. Et tous les joueurs sont en train de se diriger au niveau de ce BPA, ce qui est une bonne chose puisqu'on a 4 joueurs qui sont au niveau de cette longue. Guardian qui prend le kill, Denis qui a fait le double kill, JW qui prend le kill et Flamey qui arrive à prendre le kill sur Denis. Attention, Guardian qui fait le double kill sur Klims. 2v2, Guardian qui a fait un petit travail là au niveau de cette longue. Et Edward qui a rien fait pour l'instant, Edward qui justement se fait descendre par Flusha. La bombe qui va se diriger tout doucement au niveau de ce BPB. Une rotate de la part des Navy. Et Guardian qui décide de récupérer une AK qui peut faire la différence justement. Exactement, et d'ailleurs Guardian il va passer au niveau de ce T-spawn, c'est bien parce qu'il va complètement contourner Flusha qui est du coup out of position. Flusha qui va venir se remettre sur le site bon quand même. Et Guardian qui finalement va se faire passer middle et je pense qu'il va essayer de save son arme et peut-être de prendre de l'exit kill. Ah, il a décidé de save. Ouais il va save la carte parce qu'il est derrière c'est de l'éco sèche et du coup il va ramasser en plus un Faceon. Faceon qui du coup il pourra dropper à un de ses mates. Ce qui est une très bonne chose. En général, on fait ça quand on ramasse une arme et qu'on a en plus une upgrade de pistolet. On drop le pistolet, on prend un pistolet normal et ça fait toujours une upgrade supplémentaire sur un joueur. C'est toujours très intéressant à faire. Ouais. Et du coup, 9 à 8 pour ces Fnatic. Attention parce qu'il y a un joueur qui arrive au niveau de ce City. Il va le voir, Guardian. Ça arrive au niveau de cette longue. Et il regarde pas, il regarde pas. Et attention, il a vu le joueur. Il va pas prendre la tête. Et c'est Flusha qui arrive à descendre Guardian au niveau de ce pit. Du coup, aucun joueur n'en est sorti de ces Navy. Du coup, 9 à 8 pour les Fnatic, pardon.
Ouais, 9 à 8, 10 à 8 à la fin de ce round même, hein, normalement sans trop de difficultés vu qu'on va repartir sur Nekosèche côté Navy. Du coup, ça va être vraiment compliqué, à part s'ils arrivent à faire le perfect les Navy pour mon prono. Et Olof qui vient prendre le premier kill hein, au niveau de ce long. Flusha qui prend la tête de Flamey avec ce Mac 10. Guardian qui arrive à prendre la tête de Olof. Mais c'est Flusha qui vient prendre le revenge directement sur Guardian avec son Mac 10. 4v2, ça va être compliqué. Sayce qui se fait poke avec cette Pokéball, on va dire. Denis qui prend la tête à travers la caisse sur Sayce. Et Just qui se retrouve tout seul au niveau de cette short. Ça va être compliqué pour lui. Sayce avait, enfin Zeus pardon, avec juste un USP. Ah, oh, il mérite de mourir. Voilà. Il a enlevé le silence du USP, il mérite de crever. Du coup voilà, il a crevé 10 à 8 pour les Fnatic. Ah, je supporte pas quand un joueur quand mais, enlève le. Mais pourquoi enlever le silence au lieu de jouer avec un autre pistolet quoi? Tu peux jouer avec un autre pistolet. Surtout que ça C'est ça. change quasiment rien. Bah ça parce qu'en fait du coup tu perds toute la précision du pistolet, donc tu gagnes en puissance de feu, mais dans ce cas-là t'en prends un P2000, je veux dire c'est l'intérêt est le même. Alors que du coup on va repartir sur un round d'achat, Flusha qui a choisi de garder son Mac 10 et Flamey qui va déjà commencer le round à 20 HP. On s'est pris un bon gros coup d'AWAP dans les dents au niveau de la double d'or. Et on a mis du stuff en rapide B finalement, ben on va la jouer tranquille. Et c'est une bonne opération ça côté Fnatic, c'est un très bon move parce que du coup, eh ben on a forcé les joueurs CT à prendre des positions qui sont pas les plus avantageuses. Et côté Navy, où est la WAP? La WAP il est quart avec une vue sur short. Ouais, pourquoi pas. C'est. Ouais, si ouais, c'est une bonne c'est position. C'est une bonne position parce qu'en fait du coup tu peux pas trop être vu en longue. Et là malheureusement il va lâcher sa longue. Enfin il va lâcher sa pose, il faut vraiment qu'il la reprenne. Vraiment qu'il se mette sur la carte pour pas être visible longue parce que sinon dans ce cas tu peux te faire avoir très facilement et ça peut coûter très très cher. Ouais, ça va être compliqué pour l'instant. Aucun joueur n'est tombé du côté des deux équipes. On a juste Flamey qui avait un HP, comme tu l'as dit. Il a pris un petit coup d'AWAP à travers cette door. Ça fait mal. Et les joueurs qui sont bien placés. Attention, ça va arriver sur Edward. Là, Edward qui est contact. Il prend le premier kill. Il prend le second kill. Mais c'est Krims qui vient prendre le kill sur Edward. Guardian qui vient prendre le kill sur Krims. Attention, puisque la bombe est au niveau de ses doubles d'or. Olof qui vient prendre le kill sur Zeus. Attention, Guardian qui prend le kill sur Olof. 1. Et 3, ça va être compliqué pour JW là, qui a décidé de repartir avec cette bombe et qui repart en longue. J'ai pas compris ce qu'il a fait là. Il est reparti en. Et c'est Guardian qui vient prendre le kill sur JW. 10 à 10. Non, 10 à 9. Oui, 10 à 9, pardon. 10 à 9 et double AWAP ramassé. Ah, parfait. Surtout que double AWAP sur 2-2, ça fait très très mal. Un en longue. Effectivement. Même 3, ça fait super mal. Un en longue et un au niveau du BPB, ça fait super mal. Effectivement, alors que du coup, on a pu repartir sur un round d'achat quand même côté Fnatic. Cette fois-ci, on n'a rien touché au niveau du middle du côté de Lofmeister. Ah oui, surprenant, c'est Lofmeister qui est sorti la WAP et Lofmeister qui va déjà en plus se faire poker se retrouve à 15 HP. Il s'est fait salement lag à la WAP. Et du coup, eh bien, avantage donc au Navy dans ce 5v5 pour l'instant, avantage au HP. Et alors qu'on semble vouloir partir pour une agression niveau 6 de bombe des côtés Fnatic. Là, ça dit commande Fnatic, commande Navy. N'hésitez pas à nous dire pour quelle équipe vous soutenez. Pour l'instant, le match est assez serré. On va partir sur un 10-10, je pense. Pour l'instant, il y a un avantage du côté des Navy. Et c'est Sayce qui vient prendre ce premier kill au niveau de Denis. Flusha qui vient prendre le revenge directement. Krims qui prend la tête de Zeus au niveau de ce mid. Flamey qui prend la tête de Flusha. 3v3, on a des joueurs low HP du côté des Fnatic. Flamey qui se retrouve à 12 HP. La bombe qui est en train de se diriger rapidement au niveau de ce BPB, elle est quand même assez sécurisée par deux joueurs. Krims qui prend le kill sur Flamey qui était low HP. Et attention parce que Olof, la WAP est encore vivant. Ça peut faire mal. Ouais mais là ça va être compliqué de tenter l'arrêter avec un petit Guardian qui va se prendre low HP, Guardian qui va tomber sous les balles de JW. On est très low HP côté Fnatic mais on est en 3v1. Et Edward, regardez, il a plus de offensif. Il aurait une HE. Laurent était quasiment gagné mais là ça devient compliqué. Et Edward qui va tranquillement s'escape pour aller save. La WAP, et du coup, bien ton prono vient tout juste de s'envoler. On entend tes larmes couler, on sent que tu es triste. Oh, regarde le timing. Regarde. Tac, il prend le kill là, mais il y en a un autre qui était parti en anti-spawn. Il a pas vu. Attention, il sait qu'il y a un joueur. Il sait pas. Il vient de le montrer lors de son dos, et voilà, c'est Krims qui vient de lui mettre une petite balle dans ses petites fesses. Et du coup, Edward est tombé. Il a pas pu save cette AWAP, du coup, 11 à 9.
Exactement, et du coup 11 à 9, et on va devoir repasser par la pièce d'écho côté Navi, et du coup, eh bien, c'est le 12e round qui va être assuré tranquillement par les Fnatic. Les Navi qui font beaucoup trop d'erreurs et qui commencent comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les premiers rounds d'achat sont vraiment très délicats. Et attention, parce qu'on joue pas autant, on joue pas avec les Fnatic aussi souvent, et ils ont joué avec eux la première fois en réussissant un gros comeback. C'est vraiment pas sûr que ça fonctionne une deuxième fois, alors que du coup en plus on a choisi de prendre partir sur un stack en B. Finalement on va se rediriger pour va se rendre soit un stack en A, soit un setup plus classique. Non, on va se rediriger avec un stack en On a trois joueurs là, ils ont décidé d'aller sur cette longue. On a Denis qui prend le premier kill sur Flamey. Attention, on a un joueur de Goldor, hein. Edward il l'a vu, il se retrouve à 51 HP. Ça va être compliqué pour eux. Ils ont décidé de rush, c'est Sayce qui prend le kill sur Denis. Mais Flechat qui vient prendre directement le revenge sur Sayce. Attention au niveau de cette double d'or, c'est GW qui vient faire le carnage avec le double frag sur Edward et Zeus. Et c'est Olof qui vient prendre le dernier kill sur Après un joli petit Guardian. casque, hein. Il s'est quand même pris un joli petit casque, hein. Il s'est retrouvé à 8 petits Ah HP passant un oui. peu de 5 ans. Il a pris un bon gros casque des familles et je crois qu'on va être obligé de passer par la case double éco côté Navi. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix. Non, on va repartir sur un achat basique à la limite du force buy, non même du force buy en fait tout simplement. Ah, Guardian qui sort son Desert Eagle, ça peut faire mal. On le sait, Guardian joue très très bien avec un Eagle. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, le problème des Navi pour l'instant, c'est la raison pour laquelle il pêche à mon avis, c'est Zeus. Zeus en 5-18. Quand t'as un Guardian qui fait Oui. 26-15 qui carry monumentalement, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui fait moins de 10 kills. Alors que là on a Zeus qui va venir prendre mon premier kill, JW qui revenge Edward à son tour sur Krim, JW sur Edward. Encore une fois c'est du 3v3, attention Sayce qui est très bien placé derrière la smoke. Il peut faire mal. Il a vu son adversaire n'a pas pu le voir. Attention, il va choisir de se mettre dans la smoke et de la crosse au bon moment. Il va venir prendre de bons kills, il va en plus pouvoir récupérer du coup. Une AK, voilà. Petite hésitation. Et du coup, Guardian qui va être appelé en longue pour aller récupérer une arme. Et on a Flamie qui en plus prend le kill sur Flechat. Du coup, il ne restera plus que Lovemaster tout seul avec son AWP. Au niveau de ce middle, c'est spawn. Attention, il va rater une fois un décal. Du coup, il va donner l'information de sa position. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir aller le chase. Attention, W face à 16. Et 16 qui va venir le faire tomber tranquillement. On met ce force buy côté Navy. C'est surprenant, Il est mais ça passé. passe. Ouais. Avec un double kill pour 16 qui joue très bien le coup. Flamie qui prend un bon kill. Aussi, on a Edward qui a fait le sien. Du coup, 10 à 12, et on renvoie cette fois-ci les Fnatic en écho. C'est vraiment pour l'instant une bataille de cyclomonnaie hein, C'est du côté des deux hyper équipes. serré. Là, on va pouvoir se diriger sur un 12-11. Les Fnatic qui ont acheté full Tech 9, pourquoi pas? On a un Kevlar sur Flecha, un Kevlar casque sur Olof et sur Denis, un Kevlar. Les autres, ils ont rien, ils ont acheté un petit peu de stuff. Hein. Il y avait des flashs qui étaient sortis. Attention parce que c'est stuff double à WAPA du côté de ses Navy. GW qui arrive à prendre la tête avec son Tech9, mais on avait Zeus qui avait réussi à prendre le kill sur Krims. Du coup, 4v4, attention, Flamey qui prend le kill sur Denis. Flamey qui a fait le double kill sur Flecha, Guardian qui prend le kill sur Olof. GW qui avait réussi à prendre un kill. Attention, GW qui se retrouve tout seul. Il a réussi à récupérer une M4. Faut faire attention à lui. Exactement, par contre il va se retrouver en 1v3, ça va être compliqué, il a pas le Kevlar. Il va en plus normalement être sous dans le tunnel. Non, ça y est. Et ça y est, il va lui mettre le bon coup d'AWP, c'est tranquillement effectué côté Navi. On a limité la case sur ce round d'écho. 11 à 12, on peut revenir à égalité côté Navi. C'est maintenant qu'il faut absolument prendre ce round alors qu'on a Lovemaster qui a la thune pour sortir un AWP. Il va le faire. Mais très Et on clairement a que... là, si on met ce round côté Navi, c'est une très 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 bonne opération, surtout qu'on a toujours le double AWP. Ouais, voilà, il y a ce double AWP qui est sorti. Et c'est Guardian qui arrive à prendre la tête de Flechat au niveau de ce mid, au niveau de ce T-spawn. C'était bien joué juste avant que la flash elle arrive. Du coup, il commence bien, mais attention, GW qui arrive à prendre la tête de Zeus. Edward qui vient prendre directement le revenge sur GW. Il a perdu quelques HP avec ce duel. Il se retrouve à 46 HP. C'est vraiment dommage. Et du coup, on a encore un joueur, hein, Dumbledore. Il va falloir faire attention. Il est dans cette smoke. La bombe qui est en train de se diriger, Dumbledore. Edward qui a été flash. Attention, il sait où est-ce qu'il est. C'est Dennis qui prend le kill sur Edward. 3v3. Avec plus qu'un seul joueur au niveau de ce BPA. Mais c'est Guardian avec son AWP. Attention, il peut faire mal. Voilà, Guardian qui prend le kill sur Dennis. Au niveau du short, il a pas réussi à le prendre. Si, il vient de le prendre. La tête sur Klims. La bombe qui est au niveau de ce pit. Au niveau de cette longue, pardon. Qui est en train de se diriger au niveau de cette Dumbledore. Il va repartir apparemment au niveau de ce BPB.
Ouais, c'est la seule solution qui lui reste, hein, c'est repartir BPB et encore, ouh, il va pas passer loin sous les balles de 16 et du coup de toute façon 16 qui a l'info. Non, l'Hoffmeister il est complètement cerclé, enfermé. Il a ramassé Naka, il a voulu lâcher le Dawa pour essayer de la tenter, mais du coup, bah, face à 16, il peut rien faire et 16 qui lui arrache tranquillement tous ses PV. 12 partout les Na'Vi qui égalisent et qui envoient directement les Fnatic sur une écho, ça va faire le 13 à 12 les Na'Vi qui vont pouvoir repasser devant. Ah, c'est compliqué, c'est un match vraiment serré, je m'attendais pas à ce qu'il soit serré à ce point. 12 à 12, les Navy sont en train de remonter. On part pour un 13 à 12, puisque les Fnatic sont en écho. On a deux Tech9 qui sont sortis, un sur JW et un sur Denis. La banque a été laissée au T-spawn, pourquoi pas. Ils ont décidé de regarder par où passer. Attention à Edward qui est bien placé au niveau de cette double door, qui va faire l'entry kill, je pense. Il ne l'a pas vu encore le joueur. Et non, il n'a pas vu le joueur au niveau de cette double door. On a deux joueurs, trois joueurs qui sont en train de se... Deux joueurs, trois maintenant, du coup, qui sont en train de se diriger au niveau de cette short. Et on a JW qui est bien placé au niveau de cette double door, qui est prêt à enclencher l'attaque quand tous les joueurs seront passés en short. Ça y est, Exactement, et l'action est on va agresser. lancée. L'action est lancée. On a Denis qui fait le kill, Flushak prend un kill et JW qui arrive à prendre un kill au niveau de cette double door. Flamey qui prend le kill sur Denis. Attention, ça va être compliqué. 3v3, la bombe n'est pas sur place. Flushak qui arrive à prendre le kill sur Sazed. 3v1, Flamey qui se retrouve tout seul. Ils Et vont très bon se move. prendre. Et le brain est parfait. Le brain est parfait parce que regarde JW. Regarde JW ce qu'il est en train de faire. Il est en train de repartir en B. Et le move est parfait Magnifique. parce que voilà, Flamey il est complètement out of nowhere là. C'est fini, il va tomber de toute façon sous les balles de crise. En plus, JW qui joue très bien le coup et qui était dans tous les cas sur ce site bombé. Même si on avait réussi à prendre un kill côté Flamey, la reprise était impossible. Et du coup, eh bien, regarde, on va renvoyer les Navy en force buy. Guardian qui a acheté un AWAP. En même temps, c'est le seul à prendre des kills dans son équipe, donc on comprend qu'on lui laisse son arme. On va repartir sur un force buy avec du 5-7 et deux scouts de sortie. Ou juste un seul. Non, juste un seul Un sorti, seul. pardon. J'ai non, un deuxième. Non, un deuxième. J'en Ah avais si, vu, un j'en avais un deuxième deuxième popé. sur Ouais, Flamey. je disais bien, j'en avais vu un deuxième popé, mais j'étais pas sûr. Et Guardian qui va venir prendre un triple kill sur Flusha. Par contre, attention, le site bombé est complètement délaissé. Il y a Denis du coup qui va venir prendre le premier kill. On a Olofmeister qui rentre sur le site bombé qui va venir prendre mon kill sur Flamey. Sate sur Olofmeister, par contre, très joli coup de scout. C'est du 3v3 et la bombe, encore une fois, qui se dirige en longue. Attention à Sate, c'est ce qui va de cross cette smoke. Et Fnatic qui prennent un pari directement à 3 en longue. Sur un 3v3, ça pourrait coûter cher, surtout qu'on a quand même JW qui va venir prendre mon kill sur Sate. Les stuffs sont parfaits, hein. Guardian et le T-spawn qui sont complètement deny. Guardian qui va se faire boost. Il va finalement réussir à monter. Il va rater un prochain AWP et là ça devient compliqué par contre. Il va pas rater le second par contre sur Tennis. Guardian, Guardian le double Oh là là. kill! JW! Et Guardian qui va rater un jeu de Guardian, attention! 1v1! Guardian qui va jouer ce 1v1. Il a vu son adversaire partir, il a vu les pieds de son adversaire. JW 40 secondes. JW qui va arriver au niveau de la window, pas qu'il soit ralenti, il va être vu. Ça va être Tandax là. Là c'est Tandax parce que c'est rifle contre AWP. Et JW qui va repartir Oh là décalé là. directement. Et Guardian le quadra kill sur ce round. Guardian qui est juste beaucoup trop chaud. Guardian qui est complètement on fire sur ce match. Voilà, tu comprends pourquoi Guardian c'est mon chouchou. Voilà. Parce qu'il fait tout le temps des moves magnifiques. Il est magnifique. Guardian, quoi, il est. Car il est les Navy. Oh là 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 là. Bonne JW. Ah, ça y est, ça, là, ça rage sur les Fnatic. Exactement, et du coup en plus c'est le force buy qui passe, du coup 13 partout. Ah, si on enchaîne côté Navy, ça peut être honnête parce que là regarde, si on met ce round là côté Navy, c'est 14-13. Derrière c'est Echo pour les Fnatic, 15-13. Et derrière c'est ou achat ou force buy dégueu. Donc Ouais. le 16-13 est plus que d'actualité là très clairement. Oui, mais non. Non, je veux pas. Alors que du coup, on semble partir pour une agression en 3-2-B avec Denis qui vient prendre un premier kill sur 16, il y en a 2 qui vient prendre un second kill sur Denis sur le crime qui vient vraiment sur 2. Attention, Flamey qui prend un premier kill, Flamey qui prend un double kill, Flamey qui va tomber cependant sous les balles de Flusha, mais on crame côté Flusha et on a Crims qui n'a plus que un tout petit HP, faut pas être naïf côté CT, on n'est pas naïf, Edouard qui prend le kill sur Crims. Et attention à l'HE qui est raté, c'est du 2v1, Guardian qui va récupérer une AK. La molo est ratée, elle deny pas du tout la window. On a le temps, on a encore un kit d'un côté. Côté CT.
Attention par contre, parce que par Window et Warden qui va prendre le kill sur Flechat. Edward qui va toucher cette bombe en attendant juste que la WAP soit récupérée. Voilà, la WAP va être récupérée. C'est le 14 à 13 qui est maintenant assuré par les navis. Avec cette bombe plantée, on peut peut-être repartir sur un achat côté Fnatic, mais ça me paraît très limite. Ouais, ça paraît très très chose quand même. Hein. On va partir, à mon avis, on va tenter le force die côté Fnatic. Ouais, on va tenter aïe, le force die. Aïe 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 aïe, ça pue le choix 16 à 13. Choix double tranchant, soit vraiment un double tranchant parce que certes on a du full rifle, mais on a deux smokes, une HE, deux flashs et une molo, c'est tout. C'est tout de chez c'est tout. On n'a aucun autre stuff. Et sur des deux, on sait que si tu veux pas te faire aligner par les AWAP, par les armes à longue distance, c'est le stuff. Et le problème, c'est que là, le stuff côté Fnatic, on n'en a pas. Du coup, on va être obligé de jouer la surprise et peut-être de jouer l'agressivité à outrance. Il reste une smoke, une flash, une molo. Et Fnatic, c'est à vous de jouer. Voilà qu'a cessé de fonctionner pour Flechat. Alors que c'est JW quand même qui va réussir à prendre le premier kill. Du coup, on va pouvoir rentrer sur le site Bomba. Attention, parce qu'il y a Guarden sur le site Bomba et on a Edward qui va venir prendre le premier kill sur JW. Attention, Guarden. Au niveau de cette rampe, Guarden qui prend le premier kill. Guarden qui n'en prendra pas un deuxième. Il a failli tirer, c'est pas passé loin. Denis qui prend le kill sur Edward. Attention, Crims sur Sage, ça va passer. Ça et va merci passer pour les Fnatic. Tu as perdu ton pari, merci. Effectivement, et Denis qui prend le bon kill, qui arrache le crâne avec un triple kill. Denis qui a fait le round et qui renvoie les navires en force buy. Encore une fois. Wow, on va partir en overtime, j'ai l'impression. On est bien parti pour de l'overtime. Ah là, ça pue. Là, ça pue très clairement. Toi qui disais que tu pensais pas qu'on allait en overtime tout à l'heure. Non, j'ai dit que si on n'y allait pas, ça mettrait pas les matchs en retard. Ah oui, bah là, on est bien parti. Flechat qui vient de faire une double kill au niveau de cette bombe sur Zeus et Edward. Attention, puisque Flechat se retrouve à 61 HP. Olof qui arrive à prendre le kill sur Flymi. Guardian qui vient prendre le revenge directement avec son AWAP. Attention, parce qu'on a un scout et un AWAP. Enfin, ça peut faire très très mal. On a le joueur en short et un joueur en long. Le site bombe. Ah non, il est en city, pardon. City spawn. Non, il est en long. Je sais pas. City spawn, autant pour moi. Guardian le BPA, est long et ouais. Ouais, le BPA qui est bien sécurisé pour l'instant. Les deux joueurs qui sont en train de se. Ah ouais, mais la bombe a été placée en B. Ça va être compliqué pour ces Navy. Non, mais je pense pas très clairement qu'on pourra aller en overtime. Même si on y va, je pense que les Navy ont finalement aucune chance. Parce qu'en fait, on voit que pour l'instant, ce match, il n'y a que Guardian qui joue réellement. Flamie et Edward survivent avec 20-21 chacun. Ça, il est déjà tombé à 15-20. Ça devient déjà tout de suite beaucoup plus compliqué. Et avec Zeus qui est en 9-26, ça permettra pas de remporter même un overtime. Même en allant en overtime, je pense que ce sera juste retarder l'échéance. Nos ennemis en plus qui va venir prendre des bons kills sur son adversaire et Guardian avec le DHP qui va réussir à survivre à la HE. Il va prendre des kills sur Guardian, sur JW pardon. Guardian qui est vraiment très très chaud, il a vu Denis son adversaire, il va pas le tenter. Et pouf, oh, un Pokémon la HE à la dernière seconde. La on l'a vu arriver. La toute dernière seconde, j'étais sur la vue de Guardian, on l'a vu arriver, il a dû dire en sa tête c'est fini. Et effectivement là ça pue, on va sortir un scout mais 15 à 14, ça sent le 16 à 14 ouais, pour les Fnatic. 16 à 14 pour les Fnatic, ouais, ils sont bien partis pour... C'est vraiment un match très serré. Je ne les voyais pas gagner, les Fnatic. Je voyais un match serré, mais pas à ce point, en fait. Et Guardian, là, qui tente de prendre des kills avec son scout, qui vient d'être flash au niveau de ce mid, il va pas pouvoir prendre un seul kill. La banque est au niveau de ce tunnel. Les joueurs des Fnatic ont décidé de se séparer. On en a un qui est parti en long. On en a un qui... deux qui sont en train de partir en short avec cette bombe. Ça a décidé d'aller au niveau de ce BPA. Et attention, JW qui fait l'entry kill au niveau de ce long sur Sazed. Zeus qui vient prendre la tête de JW pour le revenge. Edward avec son Max 7. Olof qui vient prendre le revenge instant sur Edward. La bombe va être posée. Non, la bombe ne va... Si, la bombe va être posée. Attention parce qu'il y a un joueur qui arrive qui est au niveau d'écart. Et Olof qui est bien placé qui prend le kill au niveau de la tête. La tête de Zeus, pardon, au niveau de cette car. Attention, un joueur short. Oh là, et c'est Crims qui vient prendre le kill. Du coup, 16 à 14 pour les Fnatic. Ouais, les Navy qui payent déjà leur trop mauvais début de side CT. Enfin, Tero, du coup. Et qui payent aussi bah, simplement le fait qu'il n'y avait que Guardian qui jouait dans ce match. Voilà, un seul joueur, aussi bon soit-il, ne suffit pas pour battre une équipe en face. Hein. Et du coup, bah, ils viennent de le payer, les Navy. Du coup. Nous, on va marquer une petite pause de temps de changer de serveur, que les joueurs se connaissent, etc. Et le prochain match sera...
Dignitas contre Virtus Pro. Exactement, donc c'est tout de suite, hein, vous inquiétez pas, restez branchés, n'hésitez pas juste à désactiver l'adblock, le temps d'aller faire un petit pipi, d'aller grignoter un truc, et on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure, les gens.